Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Robin, je suis le responsable de cette boutique de la Maison de Rouet, qui est une institution à Paris. L'histoire de la fromagerie en Drouet est issue d'un long chemin. Le fondateur de cette entreprise se nomme Henri Androuet. En 1909, alors colporteur, ce dernier a la vision d'offrir aux Parisiens la splendeur et la variété des fromages de travers la France. C'est alors qu'il ouvre boutique dans la capitale française. Il ne se contente pas que de revendre ce qui est déjà distribué sur Paris. Il enfile ses souliers et monte dans sa charrette pour parcourir les routes de campagne à la recherche des meilleures fromageries. De plus, ce dernier prend soin d'affiner ses fromages dans sa cave. C'est son travail acharné qui pavera la voie à ce qu'est devenue aujourd'hui la fromagerie Androuet. Après avoir misé sur la qualité et l'authenticité, l'entreprise familiale, qui débuta en vendant beurre, œufs et fromages, est aujourd'hui devenue une enseigne qui est une véritable référence dans le monde du commerce du fromage. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Stéphane Blohorn, maître fromager qui poursuit le travail de la transmission de la passion du fromage à travers l'Europe et au-delà. Nous avons visité une de ses succursales d'Androuet, celle de la rue Cambronne, dans le 15e arrondissement à Paris. Celle-ci est gérée par Jean-Yves Robin, qui nous a accueillis pour un bref entretien. Je m'appelle Jean-Yves Robin, je suis le responsable de cette boutique de la Maison de Rouet, qui est une institution à Paris, puisque c'est une maison qui existe depuis 1909. Nous avons donc une grande variété de fromages et il y a aujourd'hui 7 boutiques à Paris intramuros. Alors l'origine de la maison, c'est 1909, donc par le grand-père de Monsieur Androuet. Et cette boutique ici, dans le 15e arrondissement, existe depuis une bonne quinzaine d'années, hein, voire un peu plus, mais je n'ai pas la date exacte, mais plus de 15 ans de présence dans le 15e arrondissement. Nous faisons de l'affinage, hein, nous travaillons en direct avec des petits producteurs de France et d'ailleurs, et nous terminons en fin de compte donc l'affinage, nous faisons une fin d'affinage, de façon à contenter la clientèle en fonction des besoins et des envies qu'ils le souhaitent. Voilà, hein, donc là on a la chambre froide donc, où on stocke nos produits. Donc aujourd'hui on a reçu des arrivages, donc il y a un petit peu de tout, voilà, donc c'est la petite caverne d'Ali Baba, on va dire. Est-ce que c'est ici que vous faites affiner? Non. Voilà, absolument. Il y a une partie stockage et une partie affinage par rapport à des grilles sur les chèvres, sur les vaches principalement. Et donc on les retourne, on les frotte, on les change de place en fonction d'un froid plus intense ou moins intense pour faire vivre le fromage et l'amener à une belle maturité aromatique, hein, ce qui est notre cœur de métier un peu. Dans les années 1920, des étapes importantes sont franchies pour la rayonnance de l'entreprise. L'entreprise est déjà reconnue et propose plus d'une centaine de fromages. Henri Androuet décide alors de lancer une cave de dégustation. Ces parties de dégustation seront très courues par les amateurs de fromage à travers Paris. Pierre Androuet, fils du fondateur Henri Androuet, prendra la relève de l'entreprise. Il poursuivra l'édification de la Maison Androuet jusqu'à en faire une institution. C'est l'ouverture du restaurant gastronomique Androuet qui fera toute la différence. Bien sûr, les fromages sont à la racine du menu. L'excellence, non pas seulement de la cuisine, mais aussi de la carte à vin, fera de sorte que des personnalités de stature internationale deviendront des invétérés du lieu de restauration. On y retrouvera Toshiro Mifune, Jean Gabin, Orson Welles, la fameuse Calas,
Ernest Hemingway, pour n'en nommer que quelques-uns. Dans les années 1950, la maison Androuet est déjà considérée comme la référence du commerce du détail fromager à travers le monde. Alors moi, c'est un métier que je pratique avec bonheur depuis plus de 10 ans, hein, puisque j'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais le fromage a toujours été une passion. Donc j'ai réussi à mettre en place ma passion il y a une dizaine d'années en changeant d'activité professionnelle. Et j'en suis très heureux. Alors oui, on revient de plus en plus, même sur les jeunes générations, à l'envie de redécouvrir le terroir, le patrimoine. C'est lié aussi à beaucoup d'émissions culinaires, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'émissions à la télévision, sur le web, qui parlent principalement des produits, donc des produits de région, des produits de saison. Donc on redécouvre un petit peu l'identité des bons produits. Et nous, ça se répercute effectivement sur nos petites boutiques traditionnelles où on a une clientèle, ça revient de plus en plus. Donc là, c'est vraiment c'est très très bien parce que ça valorise justement le côté patrimonial des produits. Hein. Et puis, Vous avez remarqué ça même chez les jeunes? Oui, on a beaucoup beaucoup de jeunes, hein, des jeunes clients, aussi bien des étudiants qui viennent avec des moyens qui sont plus limités, mais le but n'est pas de faire, comme on dit, du chiffre d'affaires, le but est de les informer, de leur donner des bons produits, gérer leur budget, et puis au moins qu'ils se fassent plaisir, ne serait-ce qu'avec un fromage, au moins qu'ils aient une histoire sur le fromage. Éducation, information, à faire rêver les gens, parce que le fromage ça fait rêver, comme les produits de bouche en général. Hein. Donc on a la chance de connaître pas mal de producteurs et d'aller les voir aussi tous les ans, ce qui nous permet d'avoir une formation un petit peu plus complète aussi sur ce qu'ils font, on voit ce qu'ils font, on voit comment ils travaillent. Et derrière, on fait aussi venir des producteurs ici pour faire des animations de produits, 5-6 fois dans l'année grosso modo, avec donc une dégustation extérieure. Il y avait un restaurant qui était rue d'Amsterdam, du côté de la gare Saint-Lazare, et qui était un lieu couru par les épicuriens de France et du monde entier. Ici, ils faisaient un restaurant, il y avait des plateaux à fromage assez impressionnants, on faisait une dégustation de plus de goût, plus fort, mais sur des quantités phénoménales. Donc il est resté fidèle aux poches, je crois, jusqu'à peu près 90 ans. Hein. Eh bien, n'hésitez pas à venir dans ce beau monde qu'est le fromage, parce que c'est un métier passionnant, qui n'est jamais routinier. Tous les jours, on découvre. Le fromage, c'est un produit vivant. Donc, un produit vivant, ça veut dire qu'il faut le respecter, il faut le suivre, il faut être attentionné. Le bonheur, c'est de voir les gens rentrer et de répondre à leurs besoins, leurs demandes. Et puis, je pense que le métier a de beaux jours devant lui parce que ça redevient à la mode. Il y a une trentaine d'années, on pensait que le métier de fromagerie n'existerait plus. Mais c'est reparti de plus belle. Et donc, longs ans aux fromageries et aux fromagers traditionnels. Thank you.